Cher ami, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 euros ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer. Parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en cet instant. Et si vous avez choisi de regarder ce message, c'est parce que vous pensez, vous avez la certitude que cela va vous faire du bien, va vous faire du bien spirituellement. Alors moi aussi, je me suis placé devant Dieu pour pouvoir vous communiquer une parole qui puisse impacter et provoquer peut-être un déblocage. Le thème que l'on va travailler ensemble en cet instant, c'est le thème de comment faire lorsque nos prières semblent bloquées, et comment les débloquer. Alors installez-vous, concentrez-vous, on va vivre un moment où le Seigneur va nous faire du bien. Peut-être c'est le moment d'inviter un de tes amis, peut-être de lui passer un petit coup de fil, un SMS, d'aller sur YouTube et de partager la vidéo, de dire « Viens avec moi, on va recevoir de Dieu un message qui va nous faire du bien ». Et franchement, c'est tellement difficile. Les temps que l'on vit sont incroyablement pénibles. On est enfermé, on est confiné, on est limité, on est couvre-feu. Pour ceux qui sont en France, mais je ne sais pas dans les autres pays ce que vous vivez. Mais qu'est-ce que c'est pénible que cette situation d'épidémie. Eh bien, Dieu reste fidèle. Alors, au lieu d'être seul, au lieu de déprimer, on va se faire du bien. Peut-être vous êtes en famille. Alors peut-être vous êtes à plusieurs, va chercher les enfants s'ils sont en train de jouer à la PlayStation. Amène quelqu'un, dis à ton époux, à ta femme, viens, venez, on va s'installer sur le canapé, on va vivre un moment où le Seigneur va nous faire du bien. Alors sans plus tarder, je voudrais remercier et faire un petit clin d'œil
à Franck Akpadji, se reconnaîtra. Tu es celui qui a été tiré au sort pour bénéficier dans quelques mois, j'espère que ça va ouvrir avant l'été, d'un repas au restaurant panoramique de MLK à Grand Paris quand il va être ouvert. Donc voilà, on l'avait promis, on tient notre promesse. Vous êtes plus de 30 000 à vous être abonnés sur la chaîne YouTube et on voulait honorer, comme on l'avait dit pour le premier de l'an, la personne. Donc Franck Akpadji, c'est toi qui as gagné, tu invites la personne de ton choix. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est fidèle pour vous? Il est admirable, il est capable de changer l'eau en vin, il est capable de transformer des choses qui semblent mortes en des choses qui ont de la saveur et on va le célébrer maintenant. Merveilleux Seigneur, et on veut simplement te dire que tu es digne. On veut te rendre gloire, Seigneur. On veut t'adorer, t'élever, te glorifier, te proclamer roi en ce lieu, maintenant. Je t'invite à lâcher prise et à entrer complètement dans sa présence. Entre complètement dans sa présence.
verse ton cœur à ses pieds. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Alors, toi seul es digne de recevoir l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, c'est vrai, tu es digne, Seigneur. Dans ta présence, je me tiens. À ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Jésus, la joie, la vie et le bonheur, oh, sont dans tes parmi mon sauveur, toi seul, mais toi seul es dit. Ce matin, je chante Alléluia. 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 Je chante à mon roi maintenant. Alléluia. De là où tu es, lève ta voix et proclame. Louange à toi, alléluia. Alléluia. C'est le cri de mon cœur, alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Sois toute la gloire à ton nom. Sois tous les honneurs, Seigneur, à ton nom. Sois toutes nos louanges à jamais. Oh, à jamais. Chante à ton nom. Sois toute la gloire à ton nom. Sois tous les honneurs, Seigneur, à ton nom.
soit toutes nos louanges à jamais, à jamais, à ton nom soit toute la gloire. Sois tous les honneurs, Seigneur, à ton nom. Sois toutes nos louanges, à jamais, à jamais. Encore une fois, seulement les voix, à ton nom. À ton nom, sois toute la gloire, à ton nom, Jésus. Sois tous les honneurs, Seigneur, à ton nom. Sois toutes nos louanges, à jamais, à jamais. Alors on se retrouve pour partager ensemble ce thème, comment débloquer nos prières. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre cette frustration où vous semblez, où il semble que le ciel n'entend pas nos prières ou n'y répond pas? Alors une petite illustration que j'ai vécue, c'était il y a quelques jours, c'était pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un petit garçon formidable, il s'appelle Ethan, et je profite lorsque je suis en voiture, lorsqu'on est tous les deux, père et fils, pour parler de façon un petit peu plus intime. Et mon garçon aime Dieu. Et je lui rends hommage. Ethan, si tu vois cette vidéo, t'es vraiment un garçon génial. Et il me fait du bien spirituellement et je lui fais du bien. Et on se pose des questions dans la voiture. Et lorsqu'on était en train de rouler à quelques kilomètres d'ici, je lui ai posé la question: et toi Ethan, comment ça va avec Dieu? Toi qui regardes ce message, je te pose la même question: comment tu vas avec Dieu? Ethan m'a répondu quelque chose de très profond et très vrai. Il m'a dit: papa, ça va, mais quand je prie, des fois j'ai du mal à l'entendre me répondre. Et j'ai du mal à savoir quand c'est Dieu qui agit. Est-ce que vous avez le même problème? On est nombreux, parce que même Daniel, vous savez le grand prophète Daniel, qui vivait à une époque, à moins 600 avant Jésus-Christ, un des plus grands prophètes de l'Éternel, il avait énormément du mal à savoir quand Dieu répondait à ses prières. On va lire dans un instant ce texte de Daniel. Mais avant, je voudrais vous donner un peu le contexte. Daniel a été enlevé, a été arraché. Lorsqu'il avait une dizaine d'années, il a fait partie d'une razzia avec ses parents, lui qui habitait Jérusalem, la ville du Dieu vivant, la ville du grand Dieu d'Israël. Il a vu les armées assyriennes et de Babylone raser sa ville. Il a été embarqué, on était en moins 600 avant Jésus-Christ. Et il a été amené à plus de 1000 kilomètres de chez lui, dans une capitale, la capitale de l'empire de Babylone. Et avec Nebuchadnezzar, avec les légions, il a été embarqué. Mais il n'a pas perdu sa foi en Dieu. Et il va être un prophète de l'Éternel en exil. Et quelques années plus tard, au moment où on va lire ce passage, on est en moins 536. Daniel est un vieil homme, on pense qu'il a environ 70-80 ans. Et à l'époque, c'est un âge très avancé. Il sort de sa maison, de son appartement, un peu comme toi, pour aller prendre l'air. Et il nous est dit qu'il va aller le long du fleuve. C'est bon, des fois, quand on va prier, d'aller le long d'un fleuve, c'est calme, peut-être au bord de la mer, si vous avez de la chance, mais juste dans la nature. Il va dans la nature et il fait une prière à Dieu. En fait, cette prière, il l'avait faite déjà il y a plusieurs jours. Il l'avait faite plus exactement il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, il avait dit Dieu, c'était le début de l'année, c'était 3 jours après le début de l'année. Il avait fait cette prière à Dieu, il avait dit: Dieu, je voudrais que tu fasses quelque chose pour ceux que j'aime. Tu voudrais que tu... C'est la prière, c'est le sens de la prière. Daniel s'était mis en prière, il avait d'ailleurs commencé un jeûne qu'on appelle le jeûne de Daniel, et il avait commencé à prier, il avait dit: Dieu, je voudrais que tu fasses quelque chose de bien, de bon pour mes êtres bien-aimés. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà fait cette prière-là? Où tu as dit: Dieu, voici les personnes. Tu sais, quand tu pries, tu cites les noms. Tu cites le nom de peut-être d'un de tes enfants, de ton père, de ta tata, d'un de tes filleuls, d'un cousin, peut-être d'un voisin, de quelqu'un au travail. Et il est en train d'énumérer, il est en train de citer les personnes qu'il aime.
Et il a une peur. Cette peur, c'est peut-être la peur que l'on a tous. C'est que l'on prie, mais qu'il ne se passe rien. Est-ce que Dieu va agir pour les situations que j'ai décrites? Alors voici, les jours passent et sa prière semble bloquée. Comme si elle n'avait pas réussi à atteindre le ciel. Et non. Il y a une réalité spirituelle que je voudrais partager avec vous. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos prières puissent vivre un déblocage? Je vais vous proposer trois mots. Le premier mot, c'est positionner. Il va falloir que tu te positionnes pour la prière. Ensuite, patienter. Et on terminera avec participer. En 1988, un couple formidable de chanteurs et de pasteurs chrétiens, Dany et Moïse, ont créé un petit cœur. Et peut-être ça va vous parler, ça va vous rappeler des choses. Il nous parle de ce positionnement de quelqu'un qui prie. Et il dit, chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, il se passe quelque chose. L'enfer tremble de peur parce que le Seigneur est en chemin. Ça te dit quelque chose, ça? Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Et ce jour-là, alors qu'il est au bord du fleuve et qu'il marche, il a oublié qu'il avait prié. Et ce jour-là, un être céleste, un être glorieux. Vous savez que les anges sont des esprits au service de Dieu pour nous. Et un ange vient rencontrer Daniel et on lit sans plus tarder ce que l'ange va lui dire. Écoute bien, il y a un trésor pour toi. Écoute ce que l'ange dit à Daniel parce que peut-être c'est un mot pour toi aussi en cet instant. Et la voix me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse et mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevais tout tremblant. Et l'ange poursuivit, sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes prières ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Ça fait quand même 3 semaines, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le voyage, il était long. Il dit non, l'ange qui lui dit, le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs de Dieu, en fait, hein, est venu à mon aide et je suis resté là, comme bloqué auprès du roi de Perse. Mais je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est une vision qui concerne ce temps-là. Ouh ! Comment débloquer nos prières ? Grand 1, et ça s'affiche, positionner. Et j'ai choisi un verbe d'action, se positionner. Il va falloir que tu prennes une position. Regardez quelle était la position de Daniel, elle est importante pour vous. Positionner. Quel est le premier mot que l'ange va dire à Daniel ? Il va lui dire, Daniel, tu es bien-aimé de Dieu. Voilà la position essentielle de quelqu'un qui prie. Lorsque tu pries, tu fermes la porte de ta chambre, tu te mets à part, mais tu réalises une chose, c'est que tu es aimé de Dieu. Si tu ne réalises pas ça, le reste de ta prière ne dépassera pas le plafond.
C'est pour ça qu'il nous est dit, lorsque tu pries, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Et c'est un bon Père céleste qui donne de bonnes choses à ses enfants. Et avant même que tu aies commencé de prier, Dieu est déjà rempli d'amour pour toi. Et c'est ça, cette position. Parce que si tu commences en disant « Je vais prier, mais de toute façon, Dieu n'en a rien à faire de moi », tu es bloqué. Positionne-toi, sois convaincu que tu es un enfant aimé de Dieu. « Oui, mais pasteur, tu ne sais pas ce que j'ai fait. » Mais ton Père le sait. Et ce n'est pas parce que tu as fait une bêtise, une erreur, un péché. Bien sûr, tu as déçu ton Père céleste. Mais ton Père céleste n'a rien à voir avec les maîtres que tu as eus à l'école. C'est quelqu'un qui est là uniquement pour ta réussite et pas pour ton échec. Et il vient et il dit « Je suis là pour te dire que le patron là-haut » C'est beau quand même. T'imagines, il y a un ange qui vient et qui dit « Le patron là-haut m'a dit de te dire que tu es bien aimé de Dieu. Que tu es bien aimé de Dieu. » Donc, je te dis aussi de la part du patron là-haut. Pendant qu'il prononçait ces mots, donc c'est génial, il lui dit « Sois sans crainte. » Eh mes amis, c'est bizarre. Dieu nous dit, au travers d'un ange, « Je t'aime, mais toi, tu vois, t'es comme moi, t'as peur. » C'est comme si t'arrives pas à recevoir les encouragements de Dieu. Et ça, ça peut être un problème. Regardez, lorsque Daniel voit un ange, il est en stress. C'est quand même étonnant parce que ça faisait 3 semaines qu'il avait prié pour que Dieu lui envoie une preuve que sa prière était exaucée, mais quand ça vient, il est plus prêt. Vous savez, se positionner en prière, ça demande de la constance. Et ne laisse pas le stress, les déceptions. Peut-être que tu sais, la peur, le stress te dépositionne. Au moment où tu as fait ta prière, tu étais sérieuse. Voilà, tu as une situation financière, tu as une situation familiale, une situation affective, un nom à cœur, et tu as mis le paquet. Et au moment où tu as prié, tu étais positionné. Ne te dépositionne pas avec le stress. Combien de fois Jésus dit, il ne sème ni ne moissonne, les oiseaux qui volent dans les cieux, et le Père Céleste les nourrit, à combien plus forte raison. Le Père Céleste prendra soin. Et quand tu comprends que Dieu est un bon Père et qu'il veut te donner des bonnes choses, tu ne te dépositionnes pas. Sinon, ta foi va être attaquée. Et Jacques, l'apôtre Jacques nous dit, attention, ne laissez pas le doute venir gâcher votre positionnement de foi. Il dit, celui qui demande quelque chose au Seigneur, demande sans douter. Car celui qui doute, après, il ressemble comme aux vagues de la mer, ça monte, ça descend, et ça soulève de tout le côté. Qu'un tel homme, qu'une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. On gâche des fois une bonne prière parce qu'on ne se positionne pas, on ne reste pas positionné dans la foi. Et ce que j'aime bien, c'est que l'ange lui dit, car dès le premier jour où tu as appliquer ton cœur à comprendre et à t'humilier devant Dieu, tes prières ont été entendues. Et mes amis, ce n'est pas compliqué pour que nos prières soient entendues. Il suffit juste d'être sérieux, un minimum. Savoir que Dieu nous aime, ne pas laisser nos doutes nous gâcher la vie et être sérieux en disant « Père, je veux comprendre, je veux être humble devant toi, je veux te laisser me guider. » Et dès le premier jour, est-ce que quelqu'un peut dire « dès » le premier jour. Tiens, il n'y a pas eu. Dieu n'est pas quelqu'un qui va te faire attendre juste pour te faire poireauter dans la salle d'attente en disant tu verras, tu prends ton ticket, tu fais le tour. Non, non, ce n'est pas la poste chez Dieu. Dieu, il est réactif. Aucune offense sur la poste. Il y a des postes formidables et des fois, il n'y a personne à la poste. Mais des fois, j'ai trop attendu que ce soit à Leclerc à la poste. Je ne veux pas faire de différence, mais c'est pénible d'attendre. Ben, Dieu, je constate. Moi, des fois, j'ai râlé sur les anges au ciel. J'ai dit Seigneur, comment ça se fait que ça met autant de temps? Qu'est-ce qui se passe et tout? Il y a la grève là-haut. Non, il n'y a pas la grève là-haut. Il se passe que Dieu a parfois était tellement réactif, et c'est le cas là, dès le premier jour, mais il y a eu un blocage. Et c'est intéressant. C'est-à-dire que dès le premier jour, tes prières ont été entendues, une réponse a été envoyée, mais Daniel n'a rien vu. Mais Daniel n'a rien vu. Et c'est pourquoi, que ce soit pour Ethan, que ce soit pour moi, que ce soit pour toi, que ce soit pour ta fille peut-être, ton fils ou quelqu'un, tu dis, mais c'est bizarre, je ne vois rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne s'est rien passé. Et c'est cela que l'on va voir aujourd'hui, importance numéro 2 de patienter. Patienter. Et il dit, voilà pourquoi j'étais bloqué, parce que le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. 21 jours. Alors, l'archange Michel est venu à mon secours, à mon aide. Donc, comprenez ce qui s'est passé. Daniel a prié
probablement, puisqu'il est dit que c'était le 24e jour de l'année, aujourd'hui je change en mois tel qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire janvier, etc. On dirait janvier. Janvier, il a commencé à prier le 3 janvier. L'ange a quitté la présence de Dieu le 3 janvier pour aller servir Daniel et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et là, Daniel, il ne s'attend même plus à ce que Dieu réponde. Ça fait trop de temps, 3 semaines, il fait quoi? Et pas pendant 3 semaines. Ce n'est pas parce que le voyage intersidéral était long, parce que Dieu dit « top » et la chose arrive. Alors pourquoi il y a un décalage de 3 semaines? Parce que lorsque l'ange est venu et il a touché la terre au niveau du royaume de Perse, et à ce moment-là, Daniel était dans la capitale du royaume de Perse. Et donc, il s'est passé un truc. L'ange a été intercepté par une puissance ennemie. Il y a un chef démoniaque, le chef démoniaque en contrôle de la Perse, qui a réussi à bloquer le passage de l'ange qui venait pour Daniel. Ça veut dire que la prière de Daniel avait été exaucée, mais sa réalisation a été bloquée par une force démoniaque. Ouf, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le chef du royaume de Perse. J'ai du mal à comprendre. Et Daniel a du mal à comprendre. Écoutez ce que dit Éphésiens. Éphésiens, il dit, en effet, nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre des primautés, contre des autorités, contre les seigneurs de ce monde des ténèbres, contre des esprits du mal dans les lieux célestes. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, oh, je voudrais juste le dire encore. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est bien ça. Il se passe que la louange, l'adoration, quand les chrétiens se prennent position et qu'ils se mettent dans cette dynamique de foi et de louange, le ciel envoie une aide supplémentaire. Et voilà pourquoi un archange Michel, responsable de la louange au ciel, est arrivé et il a dit « Oh ! Comment ça ? Le chef satanique du royaume de Perse arrive à bloquer un envoyé du Dieu puissant ? Moi, je le dégomme. » Et du coup, il y a comme une force surnaturelle qui vient. Et vous avez bien vu qu'il y a une question de puissance là-dedans. Et j'aimerais aborder la notion, et j'en parle pas souvent à MLK, mais je pense que c'est très important, la notion de combat spirituel en fonction du degré d'autorité. Et du coup, vous êtes d'accord de vous accrocher? On va creuser le texte. Je vais vous lire dans le livre de Daniel. On va voir ce qui est marqué en hébreu. Et après, on va voir également ce qui est marqué dans le Nouveau Testament en grec. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit le chef du royaume de Perse. Et en hébreu, c'est Sar Malkouk Parak. Première chose, grand A. Sar, qui veut dire chef, premier, le numéro 1. Ce n'est pas un petit démon, ce n'est pas un démon lambda qui a bloqué l'ange de l'Éternel. Quand Dieu a envoyé son soldat, Satan a envoyé un général. Et le chef du royaume de Perse, c'est une autorité diabolique de qualité. Et laissez-moi vous dire, on va reprendre ensemble, ça va se réafficher, on va reprendre ensemble Éphésiens. En effet, nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre des primautés. Dans certaines versions, vous avez des principautés, contre des autorités, contre des seigneurs du monde de ténèbres, contre des... Et ça fait beaucoup de monde là. Contre des esprits méchants. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est comme s'il y avait une... Enfin, c'est marrant, non. C'est terrible. C'est comme s'il y avait une hiérarchie de forces diaboliques. Satan était un chérubin.
Il est même dit dans le livre d'Ézéchiel, c'était un chérubin protecteur, c'est-à-dire qu'il était au service de Dieu à cette époque-là. Il était au service de Dieu et il était en charge de l'adoration dans le ciel. Et ce chérubin protecteur n'a pas supporté d'apporter de la louange à Dieu. Il a voulu la louange, il a quitté son rôle, il s'est rebellé et il a entraîné avec lui toute cette autorité, toute cette hiérarchie démoniaque. Alors cette hiérarchie démoniaque, ça s'affiche sur votre écran, nous dit l'apôtre Paul, il y a les top guns, les numéros 1, j'appelle ça moi les boss quoi. C'est primauté. En grec, c'est arché. Arché, qui veut dire commencement, origine. Une personne qui est chef. Et pas de chance pour le pauvre Daniel, il a eu en face de lui un cadre dirigeant de catégorie 1. Top ! Et c'est pour ça que l'ange que Dieu avait envoyé n'a pas pu passer. Parce qu'il n'est pas tombé contre un petit démon du royaume de Perse. Il s'est fait intercepter par un numéro 1 du royaume satanique. Arché. Ensuite, l'apôtre Paul nous dit, vous n'avez pas lutté contre des humains, mais contre eux. Arché. Ensuite, contre eux. Des autorités. Et autorité, en grec, c'est exousia. Exousia. Et quand il y a ex, ça veut dire quelqu'un qui part de comme extérieur. Ex veut dire le mouvement ou la délégation externe. Ça vient de capacité. C'est comme si dans le monde spirituel, il y avait les numéros 1, des rois, archés. Vous avez des généraux, c'est-à-dire des personnes qui sont été déléguées et qui portent l'autorité royale démoniaque. Là, ce sont des ex-ousia, des autorités démoniaques. Troisième, il dit, vous avez à lutter contre, moi je le traduis comme ça, des seigneurs de ce monde de ténèbres. Parce que en grec, c'est cosmocrator. Cosmocrator. Vous connaissez peut-être ces mots-là, parce que c'est des mots qui sont utilisés en français aussi. Cosmo, ça a donné le mot cosmos, le monde. Crator, crat, c'est le pouvoir. Des autocrates, des technocrates. Crat veut dire pouvoir. Donc, les cosmocrators, c'est des personnes qui ont une partie du monde à eux et qui en ont le pouvoir dessus. D'autres traductions disent les dominations, mais... C'est-à-dire qu'il y a des rois démoniaques, il y a des généraux et il y a des cosmocrators, c'est comme des commandants, c'est des chefs de zone, mais qui ont le pouvoir sur une zone, qui ont le pouvoir sur une ville. Vous ne vous rendez pas compte combien dans le monde céleste il se passe des choses. Il se passe des choses. Des fois, on ne comprend pas pourquoi certains pays retombent toujours dans les mêmes vices. Vous dites, mais ce n'est pas possible. Et c'est comme s'il y a des autorités démoniaques incroyable, qui possède des lieux, mais restez là, je vous amène quelque part. Et enfin, il dit, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et là, c'est pneumatikos poneria. Pneumatikos poneria. C'est pas seulement des esprits. Parce que les anges aussi sont des esprits. Au service de Dieu. Non, c'est des esprits au service du diable et ils sont méchants. Pourquoi les esprits sont méchants ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Les esprits méchants, ces soldats démoniaques, ils sont là dans un but, de blesser les enfants de Dieu. Écoute ça, frustrés, ils sont frustrés de ne pas pouvoir frapper Dieu. Alors les démons veulent blesser les enfants de Dieu. Ils arrivent ainsi à atteindre le cœur du Père céleste qui nous aime. Est-ce que tu comprends quelque chose ? Les démons n'ont pas la possibilité, ces petits soldats méchants de Satan, n'ont pas la possibilité de toucher et d'atteindre le Dieu directement au ciel. Ils se font intercepter, ils n'ont aucune chance de passer. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en prennent à ses enfants. Vous savez que si tu touches les enfants, moi si tu touches à mes enfants, tu me rends fou. Un papa qui fonctionne normalement ne supporte pas qu'on touche à sa fille ou à son fils. Et voilà ce que fait Satan. Satan a trouvé cette technique. Comme il ne peut pas atteindre le cœur de Dieu, il t'attaque toi. Parce qu'en te faisant souffrir, ça fait souffrir ton Père céleste. Et voilà pourquoi il embêtait l'ange que Daniel devait recevoir. Alors, deuxième chose, on a vu le mot « sar » en hébreu. Et après, il y a le mot « malkout parak » qui veut dire « royaume de Perse ». Parak, c'est la Perse à l'époque.
Et ça, ça me fait penser à la notion de territorialité. Vous voyez, le mot « tsar », c'est la position, le degré d'autorité. Et « parak », c'est le lieu de domination. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque pays, chaque ville, mais ça peut évoluer parce que les frontières, c'est dans le monde spirituel. Il y a des frontières et des lieux spirituels, et je vais vous expliquer pourquoi. On le voit dans le Nouveau Testament, dans Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5, vous savez que Jésus est venu pour libérer les captifs, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer ceux qui étaient dans le pouvoir des ténèbres, c'est-à-dire qui étaient sous des dominations. Et Jésus va venir sur la terre et il va chasser de nombreuses personnes qui sont possédées, habitées par des démons. Et il y a une histoire qui est incroyable. Dans Marc 5, je voudrais vous la partager parce qu'elle elle va vous éclairer. Dans Marc 5, Jésus quitte la Galilée d'en bas, il traverse le lac Tibériade et il va vers la Décapole. La Décapole, c'était 10 villes qui étaient absolument païennes, qui ne reconnaissaient absolument pas le Dieu vivant. Ces villes étaient des villes très corrompues et Jésus va d'ailleurs traverser. Petite remarque, alors que Jésus est en train de traverser pour aller chasser les démons lui mettent le bazar avec une tempête terrible. D'ailleurs, les disciples à un moment vont dire « Seigneur, est-ce que tu ne te réalises pas? On est en train de couler, c'est l'horreur. » Et Jésus, lui, il dort tranquille parce qu'il sait qu'il faut qu'il garde des forces pour le vrai combat qui est de l'autre côté. Donc Jésus dit « Non, non, moi je suis en mission pour aller chasser du démon. Une fois qu'on arrivera à Gadara, on va régler les comptes à ceux à qui on doit régler les comptes. » Jésus, il arrive. Vous imaginez, les disciples, ils rament, ils sont épuisés. Boum, Jésus arrive. Et là, à peine il est sorti de la barque, nous dit Marc, chapitre 5, verset 1, qu'un homme possédé, le gars, il sortait des tombeaux, il s'était déchiré, il avait du sang partout, il était complètement abîmé, personne ne pouvait l'attacher, nous dit le texte. Il avait une chaîne, mais il cassait les chaînes, la force des démons, terrible, terrible. Cet homme vint se prosterner devant lui. Et vous savez que les démons, quand ils voient notre patron, comment ils ont peur? Ils ont peur. Et il arrive, le démoniaque, et il commence à dire, et incroyable, il dit, « Que me veux-tu ?» Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. En effet, Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur. Ok ? Regardez, verset 9. Jésus lui demanda, quel est ton nom ? Mon nom est Légion. Car nous sommes une multitude. Vous savez combien il y a de soldats dans une légion romaine ? 4200. Et le gars, il était habité. Hein. Il y avait du people là-dedans. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà été à Noël dans un appartement où il y a 13 personnes, comment t'arrives plus à respirer? Alors, dans un corps là, de 60 kilos, d'être 4200, ça fait du bruit. Hein. 4200 démons à l'intérieur. Et Jésus, le ou les regarde, je ne sais pas comment dire, et il dit, tout le monde dégage. Tout le monde dégage. Tout le monde dégage. Et du coup, vous savez ce qu'ils vont dire? Regardez ça, j'avais jamais vu ça. C'est Robert Morris qui m'a fait comprendre ça, le pasteur de Gateway. Il dit, verset 10, ah, allez, il y a un petit trésor, j'espère que vous aimez apprendre des choses. J'ai jamais vu ça, moi j'avais jamais vu ça. Voici ce que se passe, voici ce que dit le démoniaque. Il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Comment ça? Oui, en fait, les 4200 démons là, qui squattaient le corps de ce malheureux, ont fait une seule requête à Jésus. Ils ont dit, Jésus, on est prêt à dégager parce qu'on comprend bien qu'on ne pourra pas rester. Et étant donné qu'on ne pourra pas rester dans le corps de ce pauvre homme, ils vont dire d'ailleurs, envoie-nous dans les ports, vous connaissez cette histoire et après, mais, en fait, ils n'avaient qu'un seul but. Pourquoi ils sont partis dans les cochons ? Et qui se sont suicidés au niveau physique, mais pas au niveau spirituel, parce qu'un démon ne meurt pas comme les êtres humains. Ils ont un seul but, rester dans le pays. Pourquoi veulent-ils rester dans le pays? Et Robert Morris dit cette phrase, parce qu'ils y ont bâti pendant des années des forteresses dans cette région. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi dans certains endroits sur la terre, les choses ne changent pas? Parce que ce sont des forteresses démoniaques qui tirent les ficelles. Et le royaume de Perse à l'époque était un des plus grands royaumes du monde.
Et ce royaume de Perse avait un big boss, un chef, un tsar, qui contrôlait spirituellement le royaume de Perse. Et quand il a vu un ange de Dieu arriver, il l'interceptait et il possédait la région. Ils ont super peur, c'est d'être chassés d'une région. Moi, je crois que lorsque le peuple de Dieu, deux ou trois, se mettent à genoux et commencent à prier et à supplier, il peut y avoir une vraie vidange spirituelle de toutes les autorités qui sont là-haut. Des fois, c'est pas... Vous voyez, on peut gagner une bataille, mais on peut perdre la guerre. Et les démons, ils sont d'accord parfois de perdre une bataille à condition que tu ne les déloges pas de leur forteresse. Il va falloir là que des démons sortent de la forteresse de la Perse. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que un petit peu plus loin, au verset 20, très très intéressant ce texte, il est génial, il nous dit beaucoup de choses sur le monde spirituel. Au verset 20, il nous est dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?» dit l'ange. Ça, c'est l'ange de Dieu qui parle à Daniel. Il arrive en retard, mais il a fini par réussir grâce à l'archange Michel. Il dit « Je suis sur le point de retourner pour combattre le chef de la Perse. » C'est-à-dire que le combat n'est pas fini. Non, mais vous comprenez bien. C'est-à-dire que l'ange de Dieu qui est venu combattre et qui s'est fait intercepter, il était bloqué tant que l'archange Michel n'était pas venu à son secours. Et quand l'archange Michel est venu à son secours, alors l'ange de Dieu a pu se faufiler et aller voir Daniel avec 21 jours de retard. Mais une fois qu'il a vu Daniel et qu'il a fait son job, il dit « Oh, Daniel, pense à moi parce que je dois repartir là-haut. Je vais retourner avec Michel et on va devoir remettre le paquet contre le dominateur de la Perse. » Et il dit, regardez, c'est très bon, il dit « Je suis sur le point de me retourner pour combattre le chef de la Perse et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. » Ah, mes amis, ce monde est en guerre, mais il n'est pas en guerre seulement pour le Covid, pour les acédiques, pour est-ce que l'assurance chômage, pour que ça soit la gauche ou la droite, pour que ça soit les démocrates ou les républicains. La guerre, il y a une guerre spirituelle qui est réelle. Et cette guerre-là, elle nous dépasse. Et nous, on voit du point de vue humain et on s'énerve. On dit « Ouais, c'est un mauvais parti. Ouais, je me demande. » Parfois, on est même un peu complotiste. On la esquive. T'embête pas dans des trucs humains. Oui, mais est-ce que ce vaccin ou pas? Tu sais pas quoi? C'est pas ta guerre. C'est pas ta guerre. Tu n'as pas à lutter contre des êtres humains. Tu n'as pas à dire « Cet homme-là, je le déteste, je me désabonne de ceci, j'arrête avec cette application. » Arrêtez avec des trucs humains. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je ne suis pas là pour vous faire la leçon. Mais n'oubliez pas que vous n'avez pas à combattre contre des hommes politiques. Vous n'avez pas à combattre mais vous, contre des choses de ce monde humain, des gens de chair et d'os. Vous avez à prendre position spirituellement contre des puissances dans les lieux célestes, contre des dominations, contre des quatre niveaux d'hiérarchie. Waouh! Waouh! Et à ce moment-là, il dit, une fois que j'aurai avec Michel, qu'on aura mis KO le chef de la Perse, viendra le chef de la Grèce. Petit point historique. On est à ce moment-là en l'an, je vous l'ai dit tout à l'heure, 536 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, les Perses dominent le monde. C'est le plus grand empire sur terre et les Perses dominent. Cyrus, etc. Et ça va aller sur Darius, roi de Perse, vous connaissez peut-être ça. Et les Perses vont avoir une espèce... Les Perses, c'est l'Iran, l'Irak, etc. Ils avaient tout la Mésopotamie. Et les Perses allaient jusqu'à l'Égypte. Ils avaient tout Israël. La Perse était le royaume de ce monde. Sauf que on est en l'an 536 et Daniel reçoit une révélation de ce que, une fois que la Perse sera dégommée, spirituellement, il y aura un autre royaume, le royaume de Grèce. Et pour ceux qui connaissent leur livre d'histoire, vous savez que le 1er octobre de l'an 331, exactement 205 ans après la visite de l'ange, 205 ans après, Alexandre le Grand va battre Darius III, roi de Perse, à Gaugamel dans une victoire décisive. Et à partir de ce moment-là, la Perse disparaît et l'Empire devient un empire grec et c'est l'Empire d'Alexandre le Grand. Donc tu vois, comprends une chose. Les choses terrestres se gèrent d'un point de vue céleste jusqu'à 200 ans avant.
Alors, faut patienter un peu. Faut patienter. Nous, on est hyper... Bah oui, on peut pas se projeter à 200 ans. Qu'est-ce qu'on sera dans 200 ans? On sera au ciel, mes amis. Mais bon, on a du mal à accepter cette idée que le temps de Dieu n'est pas nos temps et il y a des guerres spirituelles et ça prend pas la même durée que le temps qu'il faut pour finir un petit pot, petit pois carotte que tu donnes à ton bébé qui a 2 mois. C'est pas les mêmes durées. Les enjeux sont pas les mêmes. Lecture de Daniel 10, on termine ensemble. Il dit « Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Alors, celui qui avait l'esprit d'un homme me toucha, me fortifia. Puis il me dit « Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu. » C'est la deuxième fois qu'il dit, hein. Tu n'avais pas entendu tout à l'heure. Hein. Homme bien-aimé de Dieu, femme bien-aimée de Dieu. Que la paix soit avec toi, fortifie-toi et prends courage. Et pendant qu'il me parlait, j'aime bien ça, je repris des forces et je lui dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je suis venu sur le point de m'en retourner pour combattre le chef de la Perse, je vous ai dit tout à l'heure, et je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra, mais auparavant je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, l'archange Michel, votre chef. Waouh, waouh. Vous n'avez pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter contre des systèmes politiques, contre des choses de cette terre. Nous luttons, on a le droit de donner notre avis, mais un titre de bon citoyen, c'est tout. Mais spirituellement, on a une position à prendre. Il dit, si vous n'avez pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, vous avez bien à lutter contre quelqu'un, contre des choses spirituelles. Grand 3, participer. Tu ne peux pas seulement assister, tu participes. Voici ce que dit l'ange, il dit, je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera. Waouh, ça me fait du bien. Parce que l'ange est en train de lui dire, tu sais Daniel, il y a 3 semaines, lorsque tu priais tout seul dans ta chambre, tu as demandé à Dieu de t'expliquer ce qui allait se passer. Eh bien je viens. C'est comme si Dieu est très... Tu sais quand tu fais une prière, sois précise, sois précis. Combien de fois avec mon épouse, on a fait ce constat que ça ne sert à rien d'être vague avec Dieu. Tu peux demander des choses précises. Seigneur, notre Père qui est aux cieux, mon Père bien-aimé qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, tu décides, je m'aligne. Et là, tu vas dans le précis. Je rappelle qu'on avait eu notre maison, elle avait décrit le truc, quoi, ma femme. Elle me dit, non mais Yvan, c'est pas une maison qu'on veut acheter. On veut une maison qui est ça. À chaque fois, je lui dis, eh oh ma chérie, t'es bien sûr, Dieu est d'accord là-dessus. Il dit, ouais, c'est pas ostentatoire, c'est pas pour frimer, on en a vraiment besoin. On a 2 enfants, on a besoin de cette chambre, etc. Et elle a fait le descriptif, elle a tout eu. Elle a tout eu. Demandez, vous recevrez, demandez pas et vous aurez ce que vous aurez. C'est vous qui choisissez. Mais Dieu est un père qui dit, si tu demandes du pain, est-ce qu'il va te donner un morceau de caillou? Non. Si tu demandes un poisson, tu peux dire, je veux du tilapia. Non, non, je veux, ça dépend, hein, c'est au Cameroun. Tu peux dire, je veux du bar. Non, je veux plutôt de la sole. Sois précis. Le patron, il sait ce que tu as besoin. Il dit, pendant qu'il me parlait, je repris des forces. On va bientôt se quitter dans un instant, je vais terminer. Mais puise tes forces en Dieu. Vous savez, l'erreur de ceux qui font du combat spirituel, c'est que souvent ils disent, oh là là, je suis au taquet, je prends position vers Dieu, puis là je lutte, et je crie, et je prie, et je chasse, et je... Mais c'est pas tes âmes, mon ami. C'est pas ta transpiration qui fait peur à l'ennemi. Je respecte tes petites gouttes de sueur ou tes larmes, mais c'est des trucs humains, ça. Ce qui fait peur à l'ennemi, c'est pas la vapeur d'eau que t'as évacuée. Ce qui fait peur à l'ennemi, c'est les armes de Dieu. Tu sais, les armes de Dieu, tu les connais, je te les redis juste. Il dit, mettez à vos reins la ceinture de la vérité. Tu viens pas, tu racontes pas des bobards, t'es clair avec Dieu. Je veux que la vérité soit la cuirasse de justice, le zèle de l'évangile de paix, chaussures, la foi, bouclier, les saluts, c'est une épée. Et pour pas... Non, le salut c'est un casque et l'épée c'est l'esprit. C'est important le casque. Parce que s'il touche ta tête, t'es mal. T'es mal. Je me suis rendu compte que souvent Satan veut toucher notre tête. Quand il a cherché à atteindre les croyants, quand il a vu que Jésus se préparait à aller sur la terre, lui qui est la tête, il a attaqué la tête. Il y a même un texte qui me parle.
C'est dans Jean 19. Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? Jésus portant sa croix sortit de la ville pour aller à un endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Et c'est là qu'ils le crucifièrent, avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Satan attaque la tête. La tête au sens d'autorité et la tête au sens de entre tes deux oreilles. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Et quand il a attaqué Jésus, le crâne, Golgotha, au début, il a gagné. Et il s'est dit incroyable, incroyable. Jésus lui-même vient m'affronter. Je choisis le lieu, ça sera le crâne. Ça sera la montagne de Golgotha à Jérusalem. Et je l'attends. Et Satan a réuni les meilleurs démons qu'il avait. Tu vois, il a des catégories 1, comme on a vu tout à l'heure, des archées, des rois démoniaques. Il a ramené les numéros 2, les exousias, les autorités. Il a ramené après les seigneurs du nombre des ténèbres, les commandants de l'armée. Et après, il a amené les petits soldats, les petits démons. Et il leur a dit, on attaque à Golgotha, parce que le Fils de l'homme est entre nos mains. Et il a semblé qu'il gagnait. Parce que les enfants de Dieu ont commencé parce qu'ils ne comprenaient plus, parce qu'ils ne croyaient plus à abandonner leur position de prière. Les disciples ont abandonné leur position. Vous voyez ça, Gethsémané. Ils ont commencé tous à partir dans leur sens, les uns les autres. Et oh, c'est peut-être pour quelqu'un en cet instant. Arrête, reviens là dans ta position de prière. Arrête de partir à droite, partir à gauche. Tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. Reprends une position de prière. Et prends ta position de prière. Restez prier avec moi, dit Jésus. Mais ils ont quitté leur position de prière. Heureusement qu'il y avait les femmes à la croix. Il y avait quelques femmes à la croix qui sont restées en position de prière. Et elles ont commencé. Elles disent, mais pourquoi Jésus? Il y avait notamment Marie, là, la maman de Jésus, qui dit, mais je ne comprends pas cet enfant. Il n'est pas que de moi. Il est du ciel. Ce n'est pas possible qu'il perde le combat. Et Satan s'est réjoui. Et pendant quelques instants, la guerre semblait perdue. L'enfer a commencé à célébrer. Mais, pas 21 jours, 3, 1, 2, 3, tu sais, tu sais quand il faut partir, 3, 2, 1, pouh, à la croix, il a gagné, mais dans le tombeau, il a pris une raclée, parce que la mort a perdu sa puissance. En fait, Satan n'a pas grand-chose. Il n'a que la possibilité de t'abîmer un peu ton corps. Mais la Bible dit, ne craignez pas celui qui peut abîmer notre corps. Ayez peur de celui qui peut toucher l'esprit. Et il dit, à la croix, tout ce qui était spirituel a été cartonné. Parce qu'il a dit, et Jésus disait, oui, 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 oui. Il le disait à ses disciples, il dit, vous savez pas quoi, je vois Satan. Il est en train de tomber du ciel. Et à la croix, il s'est rétamé. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, je vous quitte là-dessus, sur Colossiens. Oh, regardez, il dit, ainsi donc, vous, et je parle à quelqu'un qui était rempli de péchés, mais qui a confessé ses péchés. Toi qui avais une vie avant qui était loin de Dieu, il dit, vous avez accueilli, marchez avec lui, soyez enracinés, fondés en lui. Vous étiez morts en raison de vos fautes, mais il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé qui nous condamnait. En fait, à la croix, il a cru qu'il faisait un piège à Jésus, mais c'est Jésus qui faisait un piège à Satan. Parce qu'à la croix, il lui a dit, avance plus près. Et il a laissé frapper. Et le côté a été percé. Et il dit, il a annulé
l'acte qui nous condamnait. C'est-à-dire que quand il a percé Jésus, en fait, il a perdu toute capacité de nous atteindre, nous. Non, non, tu ne comprends pas. C'est qu'au temps de Daniel, Jésus n'était pas là. Et Daniel était touchable. Satan a perdu la capacité qu'il avait contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour libérer des personnes qui n'avaient pas accès à la libération. Au temps de l'Ancien Testament, il y avait des personnes qui restaient bloquées toute leur vie dans le péché. Mais à celui qui met sa confiance en Jésus, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir une guerre, hein, entendez-moi, il va y avoir une guerre, mais les numéros 1 et les numéros 2 ont été dégagés. Regardez, regardez. Il a dépouillé qui à la croix ? Il a dépouillé les primautés, domination. Vous savez ce que c'est ? C'est le mot que je vous ai dit tout à l'heure. Les archées, les rois de type 1. Ils ont sauté. Et ensuite, il a dit, il a aussi dégagé les autorités, les exousias. Boum, les types 2, dégagés. Bon, tu me dis, il en reste quand même les 3 et 4. Ben oui, ça fait beaucoup, mais ceux-là, en fait, ils n'ont plus la capacité d'arrêter un ange. Parce qu'en fait, il y a eu comme une libération spirituelle à la croix. Et c'est pourquoi du temps de Daniel, c'était possible d'arrêter encore des anges. Mais du temps maintenant, du Nouveau Testament, Dieu est à l'œuvre et il passe. Voilà, il suffit que tu te mettes sur tes genoux maintenant. Alléluia, fais-le. Mets-toi sur tes genoux. Ben. Commence à dire, Père éternel, je suis aimé de toi. Je prends une position de foi. Je ne laisse pas les circonstances, les retards. Je patiente. Je me positionne et je patiente. Et alors, je participe à ce combat, mais ce combat n'est plus déséquilibré parce que je sais qu'il n'y a plus aucune domination, aucune primauté spirituelle qui peut me bloquer parce que tu les as dégagés à la croix. Je n'ai plus peur de tous ces grands malades de l'exousia. Ils ont été dégagés. Et je crois qu'aujourd'hui, mon boulot est de libérer le royaume de Dieu sur la terre, de libérer, d'aller par tout le monde et de dire, je vous annonce une bonne nouvelle. Demandez et vous recevrez. Quand vous êtes aligné avec le ciel, les prières, parfois ça peut prendre un peu de temps, parfois ça peut être un peu décourageant, mais le combat a été gagné à la croix et tu viens au nom de Jésus. Voilà. Tu n'as pas en ton nom ton autorité ou ta transpiration, pas au nombre, oui mais j'ai fait 21 jours de jeûne, c'est très bien, fait 20 jours si tu veux. Mais la force est dans celui qui a livré publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elle à la croix. C'est pour ça que quand tu pries, alléluia, on termine comme ça. Oh, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser. Quand tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Parce que chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à chanter là où tu es maintenant? Commence à célébrer, commence à chanter. Avec Jésus, on est parti. On va juste célébrer, on va prendre cette position. Que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. Pour ceux qui louent Dieu, chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Laisse-moi te dire que la peur doit changer de camp. Et en fait, lorsqu'un chrétien, un enfant de Dieu se met en prière, c'est pas à toi d'avoir peur. C'est eux, ils se disent, oh purée, elle est encore en prière, on va se faire dégager. Tu as reçu de Dieu une autorité incroyable. On se retrouve dans quelques instants dans MLK+, et je voudrais qu'on vive ensemble des témoignages de comment, parfois oui, il y a un délai, mais rien, ni personne, aucune autorité démoniaque ne pourra bloquer les projets de Dieu pour ta vie. A tout de suite dans MLK+. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer
fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. On se retrouve ensemble sur le plateau avec des témoins et je suis très heureux de vous présenter Josita et Joël. Ce sont des femmes formidables et voici qui s'inscrivent sur vos écrans l'importance de la prière. Vous pouvez envoyer des sujets de prière à prière@eglisemlk.fr. Vous avez également la ligne téléphonique et sachez que ce sont des vraies personnes qui intercèdent et qui vous écoutent. Et vous avez deux de leurs représentantes ici sur le plateau avec moi. Je suis très heureux d'avoir Josita et Joël. Josita, je vais commencer par toi. Et c'est bon parce qu'on parle du combat spirituel, de l'importance d'être sur nos genoux. Et parfois, en fait, lorsque l'on demande à Dieu d'intervenir, il peut y avoir un délai. Alors ma première question, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des prières et de, comme Daniel, il semble que rien ne se passe? Oui, j'ai beaucoup eu ce genre de situation et je m'en rappelle une des situations qui s'est passée, c'était quand j'étais dans mes années d'études. Donc j'étais dans ma promo et on était deux à être en recherche de stage. Toute la promo avait déjà trouvé les entreprises et c'était vraiment un délai pour moi parce que je disais, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi je n'ai pas encore trouvé mon stage? On n'est que deux sur une promo de 30 à ne pas avoir trouvé. Et j'ai résolu dans mon cœur de chercher Dieu parce que je savais que c'était mon Père et c'était lui qui pourvoyait au-dessus de tout. Donc j'ai vraiment pris, moi, littéralement, un jeûne de 21 jours. C'était vraiment la première fois, mon jeûne de Daniel. Et j'ai vraiment pris le temps de chercher Dieu, de tout recommander entre ses mains, mes études, la recherche. J'avais postulé préalablement, mais j'ai vraiment consacré ces 21 jours à chercher Dieu. Et vraiment, le 21e jour, j'ai été contactée par mail, par l'entreprise. Et donc, j'ai trouvé mon stage dans une ONG qui s'appelait Zach Trust. Et j'étais vraiment reconnaissante au Seigneur parce qu'il était mon papa. Amen. Et il savait pourvoir à Amen. Mes besoins. Alors, Josita, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es prête à intercéder pour tous ces jeunes-là qui sont en train de galérer pour un stage? Donc vous envoyez vos demandes, que ce soit par mail ou par la ligne de prière, et on va prier pour eux. Je crois qu'il y a des moments, des personnes qui passent par des moments difficiles, mais on vaincra ensemble. On va se mettre sur nos genoux, là où deux ou trois s'unissent pour demander quelque chose du haut milieu d'eux, et on est bien. Et puis il y a Joël aussi, pasteur Joël. T'es pas trop que je t'appelle pasteur, mais pour moi c'est une vraie pasteur. Elle prend soin de vous. Joël, tu aimes les gens, tu es responsable du groupe des femmes ici à MLK, et on a eu quelques représentants, on est très heureux, mesdames, de vous avoir là. Vraiment. Ce sont des sentinelles de prière, elles se tiennent à la brèche et elles prient. Et est-ce que toi, on a l'impression que toi, tu es tellement connecté avec Dieu que c'est facile. Oh non. Est-ce que toi aussi, des fois dans ta vie, tu as eu l'impression qu'il y avait comme des obstacles à tes prières, mais qu'il y a eu un déblocage? Ah oui, Yvan, je t'assure. C'est vrai, on a l'impression souvent quand on est chrétien que tout va bien, tout est facile pour nous, surtout quand on prie pour les gens. Les gens parfois pensent que nous, on n'a pas de problème. Mais moi, j'en ai connu un qui a été plus difficile pour moi au début, c'est au début de mon mariage. Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, c'est rigolo. Je sais qu'Yvan, il m'a dit, oh, il y a des choses vraiment spécifiques chez vous. Chez nous, là, en Afrique, les cultures qu'on a, c'est que quand tu te maries, on commence à compter du jour où tu t'es marié, 9 mois, il faut que tu accouches. Aïe, aïe, aïe. Mais je t'assure, c'est une pression culturelle, traditionnelle. Et nous, on a vécu ça avec mon mari. C'est vrai que pour nous, ça ne nous embêtait pas. On était tranquille, on avait notre temps. Et puis en même temps, j'étais étudiante à l'université. Alors, je suis entrée dans mon mariage. Les premières années ont été difficiles. Pas d'enfant. Pas d'enfant. Pas d'enfant. Pas d'enfant, pas de grossesse. S'il y avait même une grossesse, et puis tu perds la grossesse comme les autres, mais rien du tout. Et chez moi, des femmes comme ça, on les appelle des tamis. Donc, tout vient et tout part, tu ne gardes rien. Et c'était difficile pour moi.
Et puis, on s'est mis à prier. Vraiment, on s'est mis à prier, on cherchait la face de Dieu. Quand tu parlais des positionnements aujourd'hui, ça me rappelle un peu avec mon mari. On était à genoux, l'un dans l'autre coin et l'autre de l'autre côté. On pleurait devant le Seigneur, on cherchait cet enfant-là. Et Dieu, dans ces moments-là, ce qui est compliqué, c'est que vous avez des personnes qui se pointent au mauvais moment. Ils viennent avec des visions, ils viennent avec des prophéties négatives, ils te plombent le moral. Et c'était compliqué pour nous. Tantôt, on a une grossesse où la maman est décédée, le bébé meurt aussi, ou elle accouche, soit le bébé qui meurt, la maman vit. C'était des mauvais, mauvais présages pour nous. Alors, je t'arrête juste un instant dans ton témoignage parce que je pense que ça peut faire du bien à quelqu'un. Ouais. Quand tu as dit cela, je pense que c'est une parole de Dieu pour quelqu'un. Ouais. Il y a des gens qui sont venus et qui t'ont mis la pression avec soi-disant des révélations. Ouais. Voici ce qu'il est dit aux Colossiens 2. Juste après avoir dit, vous n'avez pas à lutter, mais Dieu vous a libéré, il a triomphé des puissances et des autorités. Il dit, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez, ce que vous pourrez boire, de l'observance, etc. Il dit, ne vous en faites pas de cela, ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier, etc. Amen. Il faut rester. Et donc, tu as persévéré. As patienté. Oui, oui. On a persévéré ensemble avec mon mari. Parfois, j'avais l'impression que lui, ça ne l'embêtait pas, donc on a persévéré. Et Dieu, par sa grâce, il a amené chez nous un jour, un soir, quelqu'un qui est venu frapper, qu'on ne connaissait pas. C'est le pasteur Clément, ou qu'il soit en ce moment, vraiment que le Seigneur le bénisse. Il est venu se présenter, il dit, Dieu m'a mis à cœur de venir prier parce que votre femme n'arrive pas à concevoir. Wow. Et il s'est engagé à prier avec nous tout le jour à 18h. Il a été fidèle. Wow. Je suis tombée enceinte et pendant les 9 mois, le pasteur Clément n'a jamais raté. Il était là tous les jours, il a prié avec nous, on est allé jusqu'au bout. Mais malheureusement, il y a des gens qui accouchent au bout de 9 mois. Moi, j'ai accouché au bout de 11 mois. Ouh bah, c'était un bébé excellent. Donc, je t'assure, la grossesse, je l'avais, mais pour accoucher, ça a été encore un calvaire. Aïe, aïe, aïe. Un calvaire, je t'assure, c'était pénible. Et cet enfant-là, on lui a donné le nom d'Espérance. Je bénis Espérance. Donc c'est une fille. C'est une fille. Je bénis Espérance. C'est vrai que pour nous, on ne cherchait pas plus. On ne cherchait pas plus. On n'avait pas besoin que ce soit un garçon ou une fille. On priait simplement pour avoir un enfant, un bébé. Et à ma grande surprise, mon beau-père, il vient, il me dit, maman, j'ai prié longtemps pour toi pour que tu puisses avoir une fille. Ah! Je me dis, Seigneur, c'est terrible. Pourquoi je t'ai dit ça, Yvan? Dans ma culture, souvent, on préfère que le premier enfant soit un garçon. D'accord. Parce qu'il va perpétuer le nom. Lorsque c'est une fille, ce n'est pas bon parce qu'elle va partir, on va l'épouser. Mais le garçon, il va rester dans la famille. Donc, ça a été encore une double pression. Et Dieu merci, mon beau-père, il est formidable. Aujourd'hui, il est auprès du Seigneur. Et il a prié pour moi, il m'a dit, maman, tu comprendras un jour pourquoi. Amen. Dans une semaine, Espérance, tu auras 24 ans et elle va fêter son anniversaire le dimanche prochain. Pour moi, c'est une bénédiction. J'ai réalisé pourquoi mon beau-père m'avait dit ça. Amen. Je t'assure. Si je suis là aujourd'hui, tranquille, de passer cet après-midi avec vous, parce que je sais qu'elle est à la maison, elle cuisine, elle prend soin de la maison. Une perle Espérance. Pour moi. Quel joli prénom, Espérance. Oui, oui. Maman t'aime fort et elle va faire des jalouses, mais c'est très bien. C'est très bien. Et t'as été bonifiée au bout de 11 mois. T'es parfaite, ma fille. En tout cas, c'est super. On parlait avec Audrey en préparant ce message et elle disait, des fois, on ne sait pas quoi demander à Dieu. Amen. Et c'est important pour ceux qui ont cette grâce de dire, Seigneur, je veux fonctionner avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit. Vous savez que Dieu nous donne la foi, la capacité de prononcer des paroles, des fois qui sont connectées avec le ciel. Demander à être baptisé dans le Saint-Esprit, à être rempli du Saint-Esprit. Quand on se convertit, on a déjà le Saint-Esprit. Amen. Mais il y a une expérience extraordinaire qui est l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit où au lieu d'en avoir simplement un peu, ça déborde. Et Amen. Alors tu parles en langue. Et voici ce qu'il dit dans Éphésiens 6, 10, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit » Par l'Esprit, en langue, tu pries toutes sortes de prières, de supplications. Amen. Veillez cela avec une entière persévérance. Amen. Il se passe des choses, il y a des déblocages spirituels. Amen. En tout cas, heureusement, il y a des personnes qui nous soutiennent. C'est ça. Et ça, c'est important. Oui. Moi, je crois que tu voulais me parler aussi de Radia. Oui. Radia, elle fait partie du groupe des femmes dont Vraiment. Tu prends soin.
et elle a galéré avec la naturalisation. Et c'est peut-être un encouragement pour quelqu'un en cet instant. Pour quelqu'un, c'est vrai. Et ça, c'est un clin d'œil aux femmes qui sont là avec nous aujourd'hui. Et toutes les femmes de mardi à 14h, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Mmh. Ces femmes-là ont persévéré pour prier pour Radia. Radia est arrivée au milieu de nous en 2016. Elle était vraiment complètement perdue. Elle attendait à être naturalisée parce qu'elle est immigrée, elle est venue d'Algérie. Mmh. Elle vient de Kabylie. Et c'était difficile parce que c'est vraiment, quand on parle des églises persécutées, il y a des gens qui sont persécutés chez eux. Et elle est venue en Europe, elle s'est dit, je vais être mes réfugiés là-bas. Mmh. Mais on l'a refoulée parce qu'elle ne pouvait pas être naturalisée. Et elle est venue à MLK à ce moment-là, on a commencé à prier avec elle. Elle est adorable. Elle est adorable. Radia, si tu nous vois, on t'aime. Ah, vraiment, on te bénit, on t'aime, Radia. Vraiment, on a persévéré avec elle. 2016, 17, 18, 19, pas de réponse. C'était la galère pour Radia. Je t'assure, un jour, je me rappelle, elle vient à 14h, on prie pour elle. Et dès qu'on a fini la prière, elle me suit encore et me dit, Joël, s'il te plaît, avec Sarah, vous ne pouvez pas encore prier pour moi. J'ai dit non. Là, vraiment, le Saint-Esprit me dit, dis-lui non. J'ai dit non, Radia. Le Seigneur t'a dit qu'il t'a déjà donné. Amen. Occupe-toi de son œuvre. Occupe-toi de bénir les gens. Il t'a déjà donné la naturalisation, mais c'était difficile parce qu'elle ne voyait rien. Elle ne voyait rien. Comment croire quand tu ne vois rien? Comment croire quand tu n'entends rien? Le délai. C'est ça le délai. C'était compliqué pour elle. Mais elle a compris qu'il fallait qu'elle continue. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait dans les parcs. Elle parlait aux femmes qui étaient seules, surtout les femmes kabyles, les femmes algériennes, les femmes arabes. Vraiment, elle les soutenait, elle leur parlait, elle était là. Et en 2020... waouh, waouh, comme le chaos là que l'ennemi a eu là dans le tombeau, elle a eu sa naturalisation. Aujourd'hui, Radia est française et heureuse de le dire, et c'est vrai, aujourd'hui elle nous a permis de parler de son témoignage. C'est vraiment une bénédiction et merci pour toutes les femmes qui ont persévéré, prié vraiment pour cette femme magnifique. C'est beau. Et on a une petite pensée pour tous les chrétiens d'Afrique du Nord, si vous nous suivez. La semaine prochaine, d'ailleurs, on aura le pasteur Saïd Oujibou. Ça va être génial. Ne manquez pas le culte à MLK dimanche prochain. Ça sera vraiment super. Amen. En tout cas, c'est vraiment beau. Mais il y a un moment extraordinaire dans le culte que l'on aime vivre, où on va proclamer ce que tu viens de dire. Le tombeau est vide. Amen. L'enfer a perdu sa puissance et on peut se tourner vers Dieu. Vous savez, je crois que quand on dit l'enfer a perdu sa puissance, tout à l'heure je te parlais, Josita, et tu me disais qu'un jour tu as fait un rêve bizarre. Oui, effectivement, un jour j'ai fait un rêve vraiment bizarre. J'étais dans un tram et il y avait un voleur qui est rentré dans le tram avec un pistolet. Et je voyais tout le monde affolé et j'étais aussi affolée. À un moment, j'entends dans le rêve, il n'a pas d'arme dans son pistolet. Il n'a pas de balle. Il n'a pas de balle dans son pistolet. Je dis, mais ah bon? Et là, je lui dis, mais tu n'as pas d'arme, tu n'as pas de balle dans ton pistolet. Et il commence à s'enfuir. Et là, je me rends compte que le Seigneur est en train de m'illustrer. Le diable a été sans arme. Il a une arme, mais il n'a pas de cartouche. Il n'a pas d'épée. Et il est là juste pour nous intimider. Le rêve, il m'a vraiment encouragé. Vraiment encouragé. Amen. Donc, comme Josita, tu n'as pas à avoir peur. Amen. L'arme est factice. Amen. Il peut avoir un pistolet, mais il n'est pas chargé. Rien. Il a été déchargé à la croix. Amen. Il a été vidé. Le chargeur a été vidé. Amen. Et on va prendre ensemble la Sainte Cène et on va juste dire, Seigneur, merci. Merci. Père, tu dis de nous qu'on est bien aimés. Allez, on prend ensemble. Amen. On prend ensemble le pain. Prenez chez vous, vous qui êtes, allez chercher peut-être un petit morceau dans votre cuisine. Allez prendre dans votre réfrigérateur de quoi peut-être un jus de raisin, du vin, selon ta tradition. Mais la Bible dit, prenez, ceci représente mon corps qui a été brisé pour vous. Prenez ceci et représente mon sang qui a coulé pour vous. Ça veut dire quoi? Merci. Ça veut dire que il n'y a plus de condamnation. Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Quels que soient les péchés que tu as faits dans le passé, il les a pulvérisés à la Amen. Croix. Il a cloué l'acte qui te condamnait. Le dossier que l'adversaire avait contre toi, il est classé. Amen. Il est terminé, Amen. Il est déchargé. Alors au lieu d'être impressionné par Satan, sois ébloui par Jésus. Amen. Je voudrais qu'on prenne juste, on va fermer les yeux et on va laisser Jessie nous conduire, mais ébloui devant Amen. Toi, éternel. Amen. Ma prière, elle est pour Dieu. Amen. Elle n'est pas pour Satan. Elle Amen. Est pour Dieu.
devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu que lorsque tu comprends, lorsque tu réalises que quand Dieu te voit, il te considère comme un de ses bien-aimés, et ben tu as beaucoup plus envie de passer du temps avec lui. Amen. Beaucoup d'entre vous ne passez pas de temps avec Dieu parce que vous ne pouvez pas vous positionner en prière. Et pourquoi vous ne positionnez pas en prière? Parce que tu as peur de ton Père. Tu confonds ton Père terrestre et ton Père céleste. Tu confonds ce que les gens ont dit de toi et ce que le Père céleste dit de toi. Il te dit bien-aimé. Je suis content d'avoir passé ce culte avec vous et je voudrais vous remercier, vous tous, et également les bien-aimés, vous tous, qui permettez à cette église, aujourd'hui l'église MLK, peut-être vous ne pouvez pas y venir physiquement, qu'est-ce que ça me manque autant qu'à vous. J'aimerais tellement, des fois, serrer dans les bras, pouvoir passer un temps avec vous, mais on ne peut pas. Mais vous savez, vous nous bénissez par vos prières, par vos intercessions. Je remercie pour toutes ces prières qui montent vers l'Église et merci pour les dons également. Vous tous qui avez décidé de dire, voilà, je n'oublierai pas cette Église qui me nourrit. Je veux investir, je veux semer dans des choses qui ont du sens. Grâce à vous, on peut travailler pour le royaume de Dieu et embêter le royaume des ténèbres. Et si je peux embêter un peu le royaume des ténèbres, je suis très heureux. Amen. Et ça, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à ce que vous faites. Vous pouvez nous bénir en jeveuxdonner.fr. Vous pouvez également, si vous le décidez, être un partenaire de long terme. Dans ce cas-là, si c'est pour du long terme, vous allez sur jeveuxetrepartenaire.fr de l'église MLK. C'est merveilleux. Vous êtes nombreux, je vous remercie. Vous êtes déjà 400 personnes qui avaient décidé de dire, voilà, moi, tous les mois, si c'est 10, 20, 30 euros, je veux être fidèle et je veux investir dans cette église qui me nourrit. Peut-être on est simplement un complément alimentaire et c'est très bien garder votre église principale. Mais si on est une église secondaire, on est heureux de vous aussi vous bénir. On complète votre nourriture spirituelle et même ça, ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Quels que soient les choix, là où MLK est dans votre vie, quel soit un endroit qui vous fait du bien, c'est tout ce que je veux. Voilà, je suis très heureux d'avoir passé ce culte avec vous. Je remercie également nos deux sœurs extraordinaires. Voilà, Josita et Joël, vous êtes formidables. Merci Jessie d'avoir été là. Merci Eddie, merci à toute l'équipe technique S2C. On est toutes les personnes, le groupe des femmes et qui intercèdent, les sentinelles Amen. Sur la montagne en cet instant. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée. Que Dieu soit avec vous là où vous êtes, sur vos genoux. Vous pouvez prier en marchant, prier debout, prier dans votre voiture, prier au travail, prier à l'appartement. Il est avec vous. Priez sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Et je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Alors, amen, amen. Et ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit. Loué soit l'éternel. Loué soit l'éternel. Yeah. Et ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai éternel Dieu triomphant. Amen. 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 Ce que ta bouche a dit et ta main l'accomplit. Amen. 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 Loué. Loué soit les t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.